commencer par remercier l'équipe du musée, bien entendu le professeur François Cochet de nous avoir invités pour je crois, la quatrième, cinquième fois à l'université d'été du musée de la Grande Guerre. Et, bien entendu, nous remercions Aurélie Perretten, Elena Legal et David Mitzimaker qui se cachent encore tout en dégradant. Notre objectif n'est pas de raconter l'histoire de la famille, mais de l'illustrer à partir des très nombreuses ressources que conservent les archives départementales de Seine-et-Marne. Pour l'occasion, nous avons consulté 56 cartons d'archives, ce qui doit faire pas loin de 4 mètres linéaires depuis le mois de février ou mars. Évidemment, ce n'est pas une enquête exhaustive, et malgré tout, on a dû sacrifier quelques parties du sujet. Par exemple, la politique nataliste, on l'a laissée de côté. Pourtant, on avait de belles affiches qu'on a pu montrer aujourd'hui. Alors, on va commencer par... Non, ça n'apparaît pas. Enfin bon, on va se débrouiller. Par la séparation des familles par la mobilisation. Alors, j'avais présenté l'année dernière rapidement le journal du curé d'Aigreville. Aigreville, on est tout au sud du département, à la limite de Lyon. Et Alfred Henry, donc, était le curé de cette paroisse. Et il a utilisé le registre de la fabrique de la commune, enfin de la paroisse, pardon, comme journal de guerre. Et il avait pris quelques notes personnelles avant la guerre, notamment il a fait le récit de l'inhumation de Jules Massenet qui était enterré à Aigreville. Et avec la mobilisation, et c'est cette première page ici, il commence le récit de la guerre. Donc on a un récit qui dure jusqu'à la moitié de... Quoi, le petit baigneur. Le récit de jusqu'en mai-juin 1917, il fait le récit pratiquement au quotidien de la commune, de la paroisse d'Aigreville, avec des propos très souvent, évidemment, anti-Dreyfusard et anti-républicain. Et j'ai retranscrit le texte de la mobilisation, donc il commence le journal comme ça. Vendredi 31 juillet, arrivé à la mairie lors de la mobilisation générale, la consternation fut immense. Dès le lendemain, les mobilisés quittèrent le pays. Ce fut surtout le lundi matin, 3 août, au train de 6 heures, que partirent les hommes, et c'était peine à voir femmes et enfants accompagnant mari et frère à la gare, les yeux remplis de larmes. C'est pas comme hier, on a vu le départ de Bordeaux avec les fleurs et les drapeaux au fusil. À part quelques esprits, le départ fut accepté visiblement, et l'idée de défendre la patrie paraissait l'emporter sur les préoccupations personnelles. Le marché de lundi fut très triste, et les exagérations les plus invraisemblables volèrent de bouche en bouche. Il s'agit des rumeurs, en particulier Bouillon Cube, qui est affiché aussi. Dès dimanche, il n'y eut plus moyen de communiquer, au-delà des directions de Souple et de Montreux, donc plus de route et plus de courrier. Les curés de Lorette, Dian, Toury, Ferrot, Le Bignon, Soupe rejoignirent leur corps, et donc le curé va devenir curé de tout cet ensemble de paroisses. Les journaux n'arrivaient plus, les correspondances se faisaient rares, la commune s'arrêta. Un voile d'une immense lourdeur semble planer sur la région. On est tout début de la guerre. C'est un vocabulaire assez fort pour un événement qui n'a pas encore connu. Après, il y a tout le récit de l'arrivée des réfugiés en masse, de Paris et d'ailleurs, et un moment où il est encore le plus ému, le village est le plus ému, c'est lors du départ de la réquisition des chevaux, qui semble encore pire que celle des hommes d'ailleurs. On va tenir tout plus près d'ici, donc un mot, là c'est par la presse, donc je vais faire tout de suite un gros plan. Le maire d'Omo, donc c'était Georges Lugol, il s'adresse à ses administrés par voie d'affiche, mais aussi par les journaux, dont le publicateur de l'arrondissement de Meaux. Et donc il a une description, je vais laisser dire l'essentiel, de la situation internationale. Il dénonce l'agression allemande et la menace qui pèse sur la patrie. Il évoque le défilé du 8e régiment de Hussards, donc c'était le régiment de Meaux. Les soldats sont qualifiés de « nos petits soldats ». On parlait d'infantilisation parfois de la troupe, et c'est un petit peu cette idée-là.
des enfants qui, ou des soldats de plomb. Quand on joue aux petits soldats, c'est un imaginaire qui est très différent du poilu, du héros, là. On n'en est pas encore là. Et il termine par des mots qui sont destinés à rassurer les mobilisés, en fait, sur le fait que leurs familles ne seront pas laissées à l'abandon en leur absence. Il était crucial que les soldats partent le cœur léger, en étant sûrs que leurs familles soient bien traitées. Et on a donc un petit peu l'idée que c'est pas seulement le soldat qui part en guerre, mais aussi l'ensemble de sa famille qu'il faut soutenir. Et ce soutien va passer par un comité. Un comité des habitants de Meaux qui vont assurer un secours aux familles. Et donc là, on voit une sorte de transmission sociale. Les familles les plus aisées vont prendre en charge, on ne sait pas encore par quels moyens, on est vraiment au début du mois d'août, les familles les plus démunies. Ça correspond à peu près à la loi du 5 août 1914, dont on reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc j'enchaîne. On va y arriver. Donc on l'a déjà abordé hier et puis plusieurs fois aujourd'hui, mais dès le début de la guerre, en fait, l'État va mettre en place des aides pour les familles de mobilisés. Et donc nous vous avons sélectionné un extrait qui concerne l'arrondissement de Provins. Donc c'est l'allocation aux familles nécessiteuses des militaires sous les drapeaux pendant la guerre. Et donc c'est ce qui suit la loi du 5 août 1914 qui octroie à toute famille de mobilisés nécessiteuses une allocation journalière de 1,25 franc. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible par contre, je suis désolée. Cette allocation elle est majorée de 50 centimes par enfant de moins de 16 ans. Et puis en août 1917, on en a déjà parlé, cette allocation, enfin son montant va augmenter. Il passe de 1,50 franc par jour à 1 franc par enfant de moins de 16 ans. Il s'agit donc là de venir en aide aux familles qui sont plongées dans la précarité à cause de la mobilisation de leur soutien de famille. Et cet exemple nous permet d'apprécier de quelle façon l'État, au tout début du conflit, ne va pas simplement répondre aux nécessités militaires, mais va aussi s'inquiéter du besoin des familles. Pour autant, on l'a déjà évoqué hier, cette allocation ne va pas permettre à tous de vivre forcément convenablement. Il arrive parfois aussi que dans nos fonds... Ah oui, alors là, c'est un tout petit zoom, mais on vous a aussi sélectionné une lettre de réclamation qui a été adressée dès le mois d'octobre 1914. Elle a été adressée au préfet de Seine-et-Marne et on en a trouvé plusieurs cartons dans nos fonds. Ce sont des réclamations qui sont portées à la connaissance du préfet et elles témoignent en fait de la réelle précarité des familles. Ici, c'est le cas de Lisa Didou, dont le mari a été mobilisé. Et en fait, elle explique au préfet que le travail qu'elle occupe ne lui permet plus de subvenir à ses besoins, ses employeurs ayant été obligés de quitter la région. Voilà, donc des réclamations comme ça, on va en avoir régulièrement tout au long de l'année 1914-1915, et on en a retrouvé en masse dans nos fonds. On vous a ensuite sélectionné un courrier type du ministère de l'Instruction publique, qui est également adressé au préfet de Seine-et-Marne le 31 décembre 1916, pour vous montrer que des secours peuvent parfois être aussi versés aux familles des instituteurs qui vont être mobilisés. Voilà, donc là c'est un exemple type où on indique à Madame Millet de Rosé-Andry, son mari non fonctionnaire, est mobilisé. Et puis nous avons aussi retenu une note du maire de la commune de Chevry-en-Sorraine en octobre 1914. C'est l'exemple type que nous avons trouvé d'une veuve qui s'est retrouvée avec 8 enfants, dont l'aîné était mobilisé. Et donc une enquête va être réalisée à son sujet par le maire de la commune de Chevry-en-Sorraine afin de pouvoir ensuite prétendre à cette fameuse allocation pour les familles nombreuses. Voilà, donc ensuite, si on change d'échelle, on va passer des aides qui sont prévues par la loi à ce que nous, on aurait appelé la philanthropie internationale. Vous avez ici un courrier de la Croix-Rouge américaine qui indique vouloir faire un don de 30 000 francs en faveur des officiers et des soldats... Non, pardon. En faveur des familles des officiers et des soldats au service des armées françaises, et qui explique que cette somme devrait être distribuée à raison de 100 francs par famille, et qu'il va donc
falloir procéder à un recensement des familles les plus en difficulté dans le département. Et donc du coup, ce recensement va être effectué et vous avez là un extrait des propositions qui sont faites pour l'attribution des secours de cette Croix-Rouge pour l'arrondissement de Provins. Alors c'est 7500 francs qui sont à distribuer pour 57 bénéficiaires. Et donc on constate, grâce à cette liste, que les familles ont vraiment payé un lourd tribut à la guerre. Énormément de femmes sont veuves, se retrouvent à la tête de familles nombreuses, dont certains membres ont été mobilisés. Donc là, on vous a sélectionné quelques exemples. Certains membres des familles ont été tués au combat, certains sont mutilés, sont blessés, mais il y en a qui ne sont dans l'incapacité tout simplement de travailler à nouveau. Et donc là, c'est simplement un exemple d'une aide privé qui va être quand même géré par l'administration, dans le sens où voilà, cette liste va être gérée par les pouvoirs publics. Donc ensuite, on en a déjà beaucoup parlé au cours de ces deux jours, mais effectivement, durant la guerre, les soldats et les familles vont s'écrire massivement. Alors les documents qui vont suivre ont été déposés aux archives départementales de Seine-et-Marne par justement des familles seine-et-marnaises lors d'une journée qui s'appelle la Grande Collecte et qui a lieu tous les ans. Donc ces familles seine-et-marnaises ont gardé dans la cellule familiale des documents qui dataient de la Première Guerre mondiale et ont décidé d'en faire don aux archives départementales. Il y a donc eu là une sorte de processus de transmission. Ces documents ont tous été numérisés et vous pouvez facilement y accéder sur le site Européana et vous pouvez tout simplement les réutiliser et les consulter. Alors, premier exemple, on a ici le cas du soldat Ernest Hiller qui pose juste ici avec sa femme et ses trois filles. Alors la fillette qui se trouve juste à gauche, vous avez une petite croix, cette fillette s'appelait Marguerite, c'est la plus jeune des filles d'Ernest Hiller, et il va correspondre avec elle pendant toute la durée de la guerre. Alors juste à côté, on vous a mis le verso d'une des cartes postales que Marguerite va envoyer à son père. Donc ici vous avez Fontainebleau le 29 décembre 1916, « Mon papa chéri, c'est ta petite Marguerite qui t'écrit toute seule pour que tu vois que je fais des progrès. » Et je t'envoie cette petite carte pour te souhaiter une bonne année et une bonne santé. Ta petite Marguerite qui t'aime pour la vie. Donc au-delà du message qui est très touchant, on peut constater qu'en fait Ernest Hiller va tout simplement réutiliser la carte que lui a envoyée Marguerite. Il précise qu'il la remercie évidemment et qu'il va lui renvoyer cette carte par peur de la perdre tout simplement. Il veut conserver la trace de ces échanges. Et donc on vous a mis du coup un second exemple, j'espère que ça ressort, les... Vous voyez, on voit l'écriture de Marguerite, et puis ensuite, juste entre les lignes, on voit les réponses d'Ernest. Donc là à gauche, vous avez deux petits messages de ces deux filles cette fois-ci, donc à l'occasion de cette nouvelle année, je t'envoie une petite carte pour te souhaiter une bonne et meilleure année et une bonne santé, ta petite Suzanne qui t'embrasse très fort, et puis ensuite on a... C'était la bonne, pardon. Et puis on a mon petit papa, c'est ta petite Marguerite qui te souhaite une bonne année, une bonne santé. Je t'embrasse bien, mon petit papa chéri. Et donc là, Ernest va leur répondre, dans la tranchée le 25 octobre 1915. Ma chère petite Suzanne, je te renvoie cette petite carte mignonne que tu m'avais fait envoyer, ainsi que ta bonne petite sœur Marguerite. Content de la recevoir, mais à ce moment-là, je ne croyais pas être si longtemps sans pouvoir vous embrasser. Espérons que je ne serai pas si longtemps sans vous voir, ainsi que ta bonne petite mère chérie, je vous embrasse tous. Voilà, donc ces échanges permettent du coup de voir qu'on va matérialiser l'existence du père, on va essayer de lui donner une présence et de lui garder une place dans la vie de famille qui va se dérouler sans lui. Nous avons ensuite sélectionné d'autres cartes qui ont été envoyées par Auguste Grandjean, soldat du 36e régiment d'infanterie. Et pareil, il va communiquer avec sa fille Pauline. Donc là, on vous a mis un exemple qui date du 7 mars 1915. Donc il écrit « Ma chère petite Pauline, reçois de ton père qui t'aime tous mes vœux pour que tu sois bien sage et obéissante envers maman et bien travaillée pour donner satisfaction autour de toi.
et être bien raisonnable envers tout le monde, rien de plus. Je te quitte en t'embrassant de tout cœur. Souviens-toi que le canon tonne, ton père qui t'aime, Auguste Grandjean. Donc ici, on voit la volonté du coup du père qui, à distance, va continuer de jouer son rôle d'éducateur et de continuer d'exercer son autorité. Donc on a fait la recherche avec Olivier. La petite phrase « Souviens-toi que le canon tonne », on a trouvé que ça pourrait peut-être être une allusion à une chanson patriotique du début du 19e qui s'appelle « L'honneur du nom français ». Et donc on se demande si c'est pas une chanson que la petite Pauline aurait chantée à son père, par exemple, un jour de permission. Voilà, on avait mis un deuxième exemple, normalement. Voilà, donc pour vous montrer que les échanges sont assez récurrents. Ensuite, nous avons sélectionné une lettre de Paul van der Bruggen. C'était un sergent de la 9e escouade du 84e régiment d'infanterie. Alors là, cette fois-ci, il écrit une lettre complètement pessimiste à son épouse le 12 novembre 1914. On vous a sélectionné un petit extrait où il écrit que jusqu'à présent, j'ai pris beaucoup de patience et je ne la perds pas encore. Mais j'en ai plus autant par moments, sinon que je réfléchis à ma petite famille. Je me dis autant mourir tout de suite que de souffrir comme ça. Mais là, le portrait de nos chers êtres vivants vient devant mes yeux et cela me redonne du courage. Voilà, donc on voit qu'il y a certaines lettres par moments qui laissent entrevoir que voilà, le soldat va confier ses inquiétudes, va confier ses peurs. Cela prouve aussi l'impact du conflit sur le moral des hommes, le moral des combattants. Et justement, ce moral ne va parfois tenir qu'à un fil, on l'a déjà vu ensemble. Et donc la famille semble être parfois l'une des raisons pour laquelle les soldats vont continuer de se battre. Et ces échanges vont leur permettre de garder le moral et il va en aller de leur survie psychique. Alors, le point suivant est consacré, autant qu'on a pu le faire, au couple ou à la vie amoureuse en quelque sorte, avec un album de photographie qui a été donné aux archives départementales en 2010. C'est un très bel album qui contient donc toutes les photos prises par une famille des années 1910 aux années 1950, hein, pour les dernières. C'est une famille de l'industriel de Melun. Et donc, une famille de la bourgeoisie, évidemment. Alors, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de lettre qui accompagne, donc on est lié quand même à beaucoup de suppositions. Mais parfois, les documents parlent d'eux-mêmes. On se rend compte, donc, que d'un homme, hein, de la famille Faust, a été mobilisé, il était au 84e régiment d'artillerie, puis au 287e, et il a quand même pu, malgré la guerre, donc, se fiancer, se marier, et même partir en voyage de noces sur la Côte d'Azur. On a des clichés qui montrent ce voyage, il peut y aller en uniforme, c'est en 1917, hein, la photo est datée, et à une date que l'on ne connaît pas, 1918 ou 1919, il joue même à échanger son uniforme, ou à donner son uniforme, à le prêter à sa femme. Et puis il y a une autre jeune femme, on ne sait pas, une belle-sœur, une cousine, sa sœur. Et on voit ces jeunes femmes qui jouent au soldat, en quelque sorte, qui enlèvent un petit peu d'horreur à la guerre, qui jouent aux petits soldats, comme on pouvait le voir tout à l'heure. On a aussi un fonds intéressant qui s'intéresse aux marraines de guerre et aux parrains de guerre, avec que l'on peut imaginer comme étant un substitut à la famille, avec une série de correspondances qui ont été envoyées donc par Madame Jacquemert. Madame Jacquemert a écrit à partir des bureaux, ça parlera à beaucoup d'entre vous, hein, de l'homme enchaîné, et évidemment dans les bureaux de Georges Clémenceau. Alors, qu'est-ce qu'elle demande, Madame Jacquemert? Elle demande donc au préfet de convaincre les inspections académiques de développer l'idée que des classes puissent devenir parrains, marraines de guerre, selon les classes de filles ou de garçons. Et vu pour que des groupes d'élèves adoptent un filleul digne d'intérêt, donc ça suppose une enquête pour que n'importe quel soldat ne se retrouve pas
avoir une classe pour le parrainer. Et donc elle insiste beaucoup, et donc il y a un échange de correspondance, notamment elle envoie du matériel publicitaire, des tracts qui pourront être distribués dans les écoles, comme ici deux exemples. Évidemment, le préfet, quand il voit l'origine du courrier, se dépêche de communiquer d'enquêter auprès de l'inspection académique, et l'inspecteur d'académie répond qu'il y a déjà beaucoup de classes qui ont adopté des soldats et que ça va être très difficile de trouver des classes volontaires pour parrainer des soldats. Malgré tout, Madame Jacquemert remercie le préfet puisque quelques classes ont adopté des soldats. Et Madame Jacquemert a ajouté un autre nom à sa signature, Clémenceau Jacquemert. Effectivement, c'est la fille de Georges Clémenceau. Ça nous a beaucoup amusé de se dire que le tigre aussi avait une famille et que celle-ci pouvait rentrer comme ça dans des œuvres caritatives. Alors maintenant qu'on a vu que voilà, parfois le père étant absent, on va essayer de voir très très rapidement quel peut être le rôle de l'école, puisqu'en fait nous avons retrouvé les cahiers d'une jeune écolière. Voilà, donc on vous a pris une petite photo de tous ces cahiers. Alors en tout, il y en avait 92. Alors cette écolière s'appelait Suzanne Mouffron et elle a fait sa scolarité entre 1912 et 1919 à l'école communale de Treuzy-le-Vlay. Et donc en fait, on vous a sélectionné quelques extraits. Donc par exemple ici, la rédaction dont l'intitulé est « Le retour du soldat ». Donc voilà, il va y avoir des éléments qui seront à recopier et puis il va y avoir des éléments qu'elle va devoir imaginer. Donc on vous a pris en photo quelques-unes de ces pages de cahiers. Donc en fait, dans ces cahiers, on va voir que la guerre va envahir l'espace de la classe, donc les leçons d'histoire, les leçons de géographie, les morales, les exercices de calcul, les sujets de rédaction vont à chaque fois témoigner de l'actualité du front. Donc on n'a pas le temps de le numériser juste avant de venir, mais on a par exemple eu des exercices de calcul pour calculer comment on faisait pour creuser une tranchée, sur combien de distance, combien de profondeur, etc. etc. Donc elle a régulièrement des exercices à faire qui sont en lien avec le quotidien des soldats, et la destruction qu'en fait Suzanne semble parfois assez réaliste. Ça permet de percevoir son ressenti, son point de vue parfois sur la situation, même si évidemment le vocabulaire et puis les formulations restent quand même très convenus et très patriotiques. Et c'est la raison pour laquelle on vous a sélectionné un deuxième extrait. Ah, juste après, Olivier. Ouais. Non. Encore après. Voilà, donc une morale qui s'intitule La patrie. Voilà, alors je peux vous lire, hein, le mot patrie veut dire la terre de nos pères, c'est le pays où nous sommes nés. Où sont nés nos aïeux et ils sont morts. Ce sont les concitoyens qui parleront eux-mêmes, longue de leur cœur, bas des mêmes tristesses et des mêmes joies. Nous avons le droit, nous Français, d'être fiers de notre patrie, car elle est la terre du dévouement, du génie et de l'honneur. Aussi a-t-elle mérité qu'on dise d'elle, tout homme a deux pays, le sien et puis la France. Voilà, donc cet extrait est vraiment le reflet de l'éducation patriotique qu'on donnait aux enfants pendant la guerre. En faisant des Français et de la patrie réellement une grande famille. Voilà. Donc ensuite, on en a longuement parlé ce matin, et là on va simplement pouvoir apporter quelques éléments d'illustration à ce que nous a expliqué Madame Pau. Mais la question du retour des soldats est fondamentale dans de nombreuses familles, et ça ressort vraiment dans l'ensemble de nos fonds. Certaines vont mener de véritables enquêtes pour savoir justement comment est mort le soldat et surtout savoir où est enterré le défunt. Donc on a essayé de choisir ici un cas connu, donc c'est le cas de Charles Péguy. Donc vous avez ici le télégramme du ministère de la Guerre qui est adressé à la mairie de Bourg-la-Reine et qui annonce le décès du lieutenant Charles Péguy. Donc Charles Péguy était mobilisé en tant qu'officier du 276e régiment d'infanterie. Et donc la bataille qui s'est déroulée le 5 septembre 1914
pas très loin d'ici, hein, sur les communes de Montyon, Choconin, Neufmontiers, Villeroy, va marquer le début de la bataille de la première bataille de la Marne, et c'est ce même jour, donc le 5 septembre, que Charles Péguy va être tué au cœur de la bataille. Alors, les archives départementales concernent un fond assez extraordinaire justement sur l'enquête qui va être menée autour justement du décès de Charles Péguy. Donc là, on vous a sélectionné une lettre qui a été adressée par le curé de Villeroy à son confrère d'Orléans pour lui expliquer que justement, il détient des informations sur le lieu de sépulture de l'écrivain. Et qu'il serait souhaitable de pouvoir donner toutes ces informations à la famille de Charles Péguy. Alors, d'autres informations vont également être collectées par Charlotte Péguy elle-même, donc la femme de Charles Péguy. On conserve tous les échanges qu'elle a pu avoir avec des camarades de Péguy au front, ou même des lettres qu'elle va essayer d'envoyer à l'état-major pour avoir plus d'informations. Elle va collecter ces informations et on sait même qu'elle va obtenir un laissez-passer pour se rendre sur place et pour pouvoir obtenir vraiment toutes les informations dont elle a besoin et pour voir où est inhumé Charles Péguy. Et donc on vous a mis une petite carte postale pour vous montrer, si vous ne connaissez pas ce personnage, que Charles Péguy est enterré dans une sépulture collective qui abrite les corps de 133 soldats qui étaient pour l'essentiel Seine-et-Marnais. Cette tombe a rapidement pris le nom de Grande Tombe, justement en comparaison avec les nombreuses tombes de fortune qui jonchent le champ de bataille. Et depuis 100 ans, très régulièrement, des célébrations et des hommages s'y déroulent. Donc ensuite, les parents, on en a déjà parlé, vont également être touchés par la mort de leur fils. Et donc certains vont s'unir en association. Donc on va créer l'union des pères et des mères dont les fils sont morts pour la patrie. Et si je ne me trompe pas, il y a une affiche qui a été utilisée justement dans l'exposition, qui est exactement de la même association, qui a pour objet de secourir les familles en difficulté, tant matériellement que moralement. Et donc ce sont le plus souvent des associations nationales qui vont être relayées à chaque fois au niveau départemental. Ensuite, si on continue un petit peu... Voilà, l'enquête qui peut être menée par certains parents sur le décès de leur fils. On a trouvé une lettre de réclamation qui est adressée au préfet de Seine-et-Marne par Madame Suret au mois de janvier 1916. Alors cette dame se plaint auprès du préfet du fait que la mairie de Lézy-sur-Aucq ne lui ait pas communiqué une citation à l'ordre de l'armée de son fils qui était décédé plusieurs mois auparavant. Donc en fait, elle ne comprend pas pourquoi cette information ne lui est pas parvenue. Et elle recherche simplement à savoir comment son fils est mort en héros. Et voilà, elle aimerait en savoir plus. Donc elle se plaint auprès du préfet. Et un peu plus loin dans la série que nous avons consultée, on s'est rendu compte qu'on avait obtenu la réponse du préfet, donc le 31 janvier 1916. Voilà, donc on vous laisse découvrir, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, je vous laisse découvrir un petit peu la réponse qui a été faite. Voilà, donc le maire de Lizy a donné lui-même connaissance à Madame Suret, père de la citation à l'ordre du jour de son fils, le jour ou le lendemain du jour où il l'a reçu. Il est possible que dans son trouble, Monsieur Suret ait oublié d'en faire part à sa femme, qui est la personne la plus acariâtre de Lizy. Voilà, donc la réponse pas très agréable. Voilà, donc on a été vérifié dans les registres matricules qui sont dans nos fonds, et donc effectivement, son fils a bien reçu une croix de guerre suivie d'une médaille militaire. Et donc voilà, c'était normal qu'elle connaisse cette citation, mais la réponse était pas très délicate. Voilà, alors après, on l'a vu tout à l'heure, la question du rapatriement des corps va hanter les familles pendant plusieurs années. Et donc là, on a trouvé une lettre qui demande l'autorisation justement de rapatrier un corps dans les Deux-Sèvres. Donc ça se passe en septembre 1918. Voilà, donc Madame Caille demande l'autorisation de rapatrier à ses frais le corps de, je cite, son cher mari, qui est inhumé à Meaux. Voilà. Et on a la réponse de la préfecture en date du 11 juillet 1919, donc 10 mois après cette première sollicitation. Voilà, la réponse est très claire également.
aucune autorisation de transport de corps militaires inhumés dans les arrondissements de Meaux, Coulommiers ou Provins ne saurait être accordée. Voilà, donc ça, ça illustre parfaitement ce que Madame Pau a expliqué tout à l'heure. Et justement, on a eu l'occasion de voir que certaines familles, allaient vouloir absolument récupérer le corps des soldats. Et donc, on a un exemple de familles qui vont passer outre, justement, cette interdiction et qui vont assurer clandestinement l'exhumation et l'inhumation du corps de leurs proches. Donc ici, nous avons le cas d'une famille qui, malgré plusieurs sollicitations auprès du ministère de la Guerre, a organisé le rapatriement clandestin du corps de Julien Billot pour l'enterrer justement à Provins. Voilà, et donc le commissaire de police ne peut que constater justement ce délit, donc on a la trace de l'enquête, et donc les archives départementales recèlent aussi un registre des inhumations clandestines. Voilà, donc les inhumations clandestines similaires à celle-ci signent que la pratique était vraiment courante. Voilà, et puis là on vous a mis simplement un petit extrait du journal Le Seine-et-Marne, dans lequel on voit que le transport de corps devient ensuite, on va dire légal entre guillemets, et qu'il y a de véritables entreprises qui vont se disputer ce sinistre marché à coup de publicité. Alors, je vais terminer par les deux petits chapitres sur les orphelins et les pupilles de la nation. Il est assez difficile de mesurer le nombre d'orphelins. En 1919, le préfet d'Autrême évalue le nombre d'orphelins à 3000. Un an plus tard, l'œuvre des pupilles de l'école publique de Seine-et-Marne en recense 5000. Donc ils sont, ce qui correspond à peu près au pourcentage lié qu'on pourrait faire avec la population globale du département. Et ces orphelins sont secourus de différentes manières, évidemment, dès le début de la guerre. Ici, alors c'est très très peu lisible, mais on a fait un petit agrandissement. On va trouver des œuvres qui vont secourir les orphelins. Alors ces œuvres sont très souvent liées à la religion catholique, mais aussi les laïcs vont s'organiser. Et ici, les municipalités. Là, c'est la municipalité de Rebais. On est en 1921, mais l'association existe depuis plusieurs années. Donc, collecte des fonds par l'intermédiaire, par le moyen d'un concert annuel. Et les fonds vont être redistribués aux 21 orphelins de la commune sur 21 carnets de caisses d'épargne qui vont être alimentés pour soutenir un petit peu les enfants. Et ils expliquent avec beaucoup de précision, je ne sais pas si on l'a mis, que l'association ne veut avoir que 21 francs en caisse pour distribuer l'intégralité de ses revenus. Et on le voit dans ce document, on a la petite bourgeoisie locale, les commerçants, les notables, le professeur de piano, un pharmacien, etc., qui encadre cette association. On l'a vu tout à l'heure, on va avoir un rôle important de la philanthropie internationale. Ici, c'est un collègue de François Cochet, un professeur d'économie politique aux États-Unis, l'université Colgate. Et ce professeur, donc, demande s'il ne peut pas accueillir une orpheline française qui pourrait donc apprendre le français à sa fille, ou elle-même pourrait apprendre l'anglais. Donc on n'est pas dans la charité financière, ici il s'agit bien de donner une éducation à une jeune fille qui sera pas, que le département devra choisir pour lui donner un avenir par la suite. Les orphelins sont donc dès 1914, et puis ça se répète, 1915, 1916 et ensuite, donc vont être l'objet de journées, comme il y a de très nombreuses journées du poilu, des troupes coloniales, etc. Il y a donc des journées des orphelins qui donnent lieu à des affiches. Alors celles de Poulbeau sont les plus connues. Et on a aussi donc ces affiches qui vont retrouver à peu près tout le temps le même style graphique. On est dans le dessin, peut-être pour faire plus proche de l'enfance. Et puis on va retrouver très souvent des orphelins, mais pas isolés, des fratries.
Et puis le disparu, le mort, le père est symbolisé parfois par une palme à gauche, ou pas du tout, simplement dans le regard des enfants à droite. Alors concrètement, il y a des journées, alors ici c'est la journée de l'orphelinat des armées. L'orphelinat des armées est écrit en 1914 pour prendre sous sa protection les orphelins de la guerre de 1914, on disait à ce moment-là, dont les familles disposent de ressources insuffisantes. Donc là, on va aider les orphelins, seulement ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'une œuvre laïque, en fait, qui va s'opposer à tout le système d'œuvres charitables de l'Église catholique. Et on est encore dans l'Union sacrée, mais ça commence à être tendu entre les deux mondes, justement sur la question primordiale des orphelins et ensuite de l'école. Donc le 20 juin 1915 est organisé à Provins toute une série de concerts. Alors on ouvre et on referme sur la Marseillaise, bien entendu. Et les fonds sont collectés, comme dans toutes les journées de ce type, par la vente de petits insignes en carton, comme on a encore quelques-uns, que les gens achètent. Parfois, elles les épinglent sur leur veste et puis parfois les conservent. Où cela était mis en dépôt, un peu comme le dépôt légal, hein, dans les dossiers du préfet. Le nombre très important d'orphelins inquiète évidemment l'État. Donc là, cette fois, on va passer au niveau légal. Avec la loi du 27 juillet 1917, donc c'est la loi qui institue les pupilles de la nation. Donc là, c'est une loi qu'on retrouve aussi sur une affiche dans l'exposition. Donc la loi va créer l'Office national des pupilles de la nation. C'est un établissement public rattaché au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui va donc être chargé de prendre ou provoquer toute mesure d'ordre général jugée nécessaire en faveur des pupilles de la nation. Répartir ensuite les fonds entre les offices départementaux, donc il va falloir créer. Et ensuite, avec cet argent, accorder aux parents, aux tuteurs ou à des établissements publics, d'éducation, des associations, les moyens de faire vivre ces pupilles. Donc la loi est appliquée, évidemment. Par la création de l'Office départemental des pupilles de la nation, donc à l'échelle de la Seine-et-Marne. Selon les départements, la création de ces offices peut être très tardif. On est en avril 1918, hein, c'est ça, en Seine-et-Marne, ça peut aller jusqu'en décembre, hein, dans certains départements. Alors, statutairement, l'office est présidé par le préfet. Il y a des personnes qualifiées, donc désignées d'office, mais il y a aussi des élus qui viennent du monde associatif, des personnalités, du monde politique et aussi du monde scolaire. On va y trouver donc des instituteurs et des institutrices. Alors, le statut de pupille de la nation est accordé de façon... enfin, c'est assez facile, mais pas automatiquement. Il faut une demande de la famille, donc la mère le plus souvent, ou des tuteurs, et la demande passe par un jugement. Donc c'est un juge qui va accorder le titre de pupille de la nation à un enfant. Cette demande est effectuée au tribunal d'instance, ici donc c'est le tribunal civil de Meaux, en avril 1922. Alors ça peut paraître tardif, mais la mère de famille en question n'a comme information, on en parlait un petit peu tout à l'heure, son mari est porté disparu depuis septembre 1915. Et tant que son mari n'est pas mort, les enfants ne sont pas des orphelins. Et donc il a fallu un jugement précédent, là aussi on l'a retrouvé sur le site Mémoire des Hommes, pour voir que seulement le 13 janvier 1921, le père a été déclaré décédé, mort pour la France. Et à partir de ce moment-là, Madame Guévin, pardon, peut faire la demande d'adoption de ses enfants par la nation. Donc le jugement est rendu sur le document de demande lui-même. On fait des économies de papier, je ne sais pas, ou c'est pour ne pas perdre les documents d'archives. Donc elle a deux enfants, elle a fait deux demandes, et la réponse est placée sur un des jugements. Hein. La nation adopte. Donc Liévin Denise et Liévin Fernand. Les deux enfants donc, sont
deviennent les enfants de la nation. C'est le principe de cette adoption qui ressemblerait à une adoption simple, mais parce qu'il y a encore une mère qui, pour la plupart des actes de la vie civique, obtient les droits paternels, puisqu'elle est veuve. Alors, on a aussi des documents statistiques intéressants. Ici, c'est les pupilles de la nation recensées en 1934. Donc en 1934, ils sont 2911. Ils étaient 6310 en 1926. Donc les pupilles de la nation, en fait, le nombre diminue lorsque les pupilles deviennent majeures. Leur statut disparaît d'un coup. Sauf pour les jeunes hommes qui font leur service militaire, qui perdent leur statut de pupille à la libération, donc à la fin du service militaire. On voit aussi qu'il y a des pupilles qui naissent bien après la guerre. En effet, peut être pupille de la nation, tout enfant de mutilé ou de blessé de guerre, quelle que soit sa date de naissance. Évidemment, à partir de 1933. On en a encore qui sont en 1933 sur ce document, et Olivier Faron avait la même date, donc je pense que c'est un recensement national. Évidemment, on s'aperçoit que du pic considérable des enfants nés en 1914 qui sont pupilles de la nation, c'est tout à fait visible sur ce graphique. Et je voulais développer aussi un autre point qui est celui qui est spécifique non pas à la Seine-et-Marne, parce que l'œuvre des pupilles de l'école publique, il y en a dans de très nombreux départements, mais la Seine-et-Marne a une particularité, c'est d'avoir transformé cette œuvre pour créer des écoles. Alors à l'origine de l'œuvre, on va trouver un personnage tout à fait étonnant, un instituteur, et puis sa femme. Mais Madame Vaillant, on ne trouve nulle part ni son prénom ni sa photo. On est quand même dans une logique très paternaliste encore. Georges Vaillant et donc son épouse étaient instituteurs un petit peu partout en Seine-et-Marne, et à ce moment-là, ils étaient fixés à Samois-sur-Seine. Et à Samois-sur-Seine, ils ont rencontré un personnage important aussi, qui est un ambassadeur donc en poste au Quai d'Orsay, secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Herbette, qui a joué un rôle considérable en 1914, au moment de la crise qui a suivi Sarajevo. Et donc, Maurice Herbette va ouvrir les portes de son carnet d'adresses internationales, et l'œuvre des pupilles de l'école publique, on est en 1916, va pouvoir collecter des fonds qui viennent de très nombreux pays. La Croix-Rouge des États-Unis va verser 150 000 francs, et le gouvernement de l'Uruguay, il fallait que j'en parle, David, a versé donc 170 000 francs. Mais pas seulement ces États, on va trouver des fonds qui ont été collectés dans de très nombreuses journées destinées aux orphelins dans le monde entier. Il y a des souscriptions, je n'ai pas noté la liste complète, mais à Montréal, Pékin, Belfast, Buenos Aires, Montevideo, Bassora. Donc dans des lieux qui paraissent incongrus pour nous, on a des gens qui vont donner des petites sommes, et ces fonds collectés vont permettre à l'œuvre des pupilles de l'école publique de Seine-et-Marne de créer des écoles. 4 écoles sont créées par l'œuvre. À Avon, donc une école réservée aux jeunes filles, aux orphelines, qui s'appelle Uruguay France. À Champagne-sur-Seine, c'est de l'autre côté de la Seine, l'école Lafayette, avec les fonds évidemment américains. La ville de Pittsburgh a versé assez d'argent pour créer une école, une ferme-école à Fontainebleau. Et l'école des Pressoirs du Roi à Saint-Moreau vient de fonds français. C'est la famille Fabrelus, sont les fondateurs du Crédit Lyonnais. Et ces écoles se spécialisent dans toute une série de domaines qui sont passionnants à étudier. Évidemment, les filles, toutes orphelines de la guerre, vont apprendre les métiers de la couture, du jardinage, du ménage, mais aussi tout ce qui peut servir pour faire qu'une femme, une jeune femme, tienne bien son ménage, donc les règles de l'hygiène, de la comptabilité. Elles font du sport aussi, ce qui n'était pas toujours évident à ces niveaux-là. Tous ces enfants ont le certificat d'études, c'est préalable, c'est une priorité pour entrer dans l'école. Fontainebleau, donc en bas à gauche, c'est une ferme-école, donc les jeunes garçons, cette fois, vont apprendre tous les métiers de la ferme, mais aussi de la menuiserie et des métiers du fer. Champagne-sur-Seine, c'est en bas à droite,
Là, c'est une école industrielle, donc les garçons vont apprendre les métiers de l'usine, et c'est en lien avec l'usine Schneider qui est juste à côté. Et donc, les pressoirs du roi, c'est l'horticulture, une spécialité très importante dans la région de Fontainebleau, entre les vignes de Thomery et puis les maraîchers et les jardiniers. On est là dans un autre domaine, il ne s'agit pas de donner une allocation aux enfants, ni à leur mère, il s'agit de former les enfants, ces orphelins, pour qu'ils deviennent libres. Voilà, ça c'est une des lettres de la création de l'œuvre. Hein. Il s'agit de... Juste la fin, ça ne doit pas suffire. La vie familiale est la règle des écoles. Les directeurs et les maîtres prennent leur repas avec les enfants et leur tiennent lieu de parents. La discipline est exempte de rigueur inutile. Il faut constater que les punitions sont très exceptionnelles. Derrière tout ça, il y a aussi une nouvelle pédagogie. Il s'agit d'enseigner autrement et de rendre ces enfants autonomes, libres, avec toute une question. Alors, vous pouvez lire le document qui est au-dessus. Hein. Il s'agit d'en faire de bons Français, utiles à leur pays. Hygiène, propreté, pratique du sport, hein, et mens sana in corpore sano. On retrouve donc des théories issues de la pédagogie de la Troisième République et qui sont appliquées ici. Voilà. C'est ainsi que nous terminons.